Ah! Fallait combiner le saut périlleux arrière et le saut mural. Okay. Bon, ben, du coup, c'est bien, il m'en manque 4. J'ai peut-être pas trop regardé dans le fond. Oh putain, il y en a une. Voilà, il m'en manque encore 3. C'est bon signe que voilà, j'ai pas encore tout à fait bien exploré, je pense, cette partie. Poltron de fantôme. Mais oui, mais j'ai pas. Je m'en fous en fait des fantômes, concrètement. Mais non. Tout va bien, mesdames et messieurs. Putain, il y en a encore 4 à faire derrière. Toi, t'as que youhou à me faire, à me dire, c'est ça, hein. Ouais. Regarde, là, il y avait... Sur la surface, là, il y avait des pièces violettes. Je me disais peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais j'en suis tout à coup un peu moins sûr. Est-ce que pourrait y en avoir sur cette surface là-bas? J'espère pas, parce que je vois pas comment y arriver. Ah non, de cette chanson. L'indémodable. Ah! Les voilà. Alors, on va voir. Yes, on peut faire comme ça. C'est pas celle que je voulais. Voilà! Oh mon dieu! Je pensais qu'on allait passer bien moins de temps quand même sur ce sur cette partie. Tous. Ah. À la carioca. Ah, on peut faire. Youpi. Dansons la carioca. Mais ces temps-ci, on travaille plutôt des chansons avec Kota Sensei qui portent. On a commencé à travailler sur du japonais et il trouve que ça me va bien de chanter en japonais. Donc du coup, j'ai fait mon fanboy et il m'a demandé, vas-y, propose-moi des chansons qui portent. Donc vraiment, faut projeter sa voix. Et merci pour le GG. Graphiquement, le jeu se tient de ouf, bah, surtout quand tu sais que à la base, c'est pas un jeu en HD. Et le jeu date de quoi, 2007 quoi. 2007 pour cette qualité graphique là, c'est quand même pas mal du tout. Bon, après, il y a le côté cartoon qui aide un peu, je pense, mais quand bien même quoi. Alors, j'ai pas proposé Shabon Dama parce que je l'avais déjà proposé avant. Oh, démonia favori. Oula, pardon, Démonia, je vais t'appeler Démonia. Merci beaucoup pour ton follow, c'est super gentil. Comment ça va? Appelez. La comète rouge, c'est temps limité, je crois. Coucou Tetel, comment ça va? Tu streamais sur quoi, toi, du coup, Démonia? Et Velvet, salut. C'est un red cat. Oui, oui. Bah, le Things Are Starting to Get Exciting, c'est...
La revanche du clan Dagoman. Et Velvet, merci beaucoup pour ton follow, c'est gentil. Très gentil, bah bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Le défi du soir, c'est de terminer vraiment les 120 étoiles de Mario. Il nous en reste plus que 4 à avoir. Merci Démonia pour ton follow aussi, c'est super gentil. C'est sur Assassin's Creed Syndicate, oui, je t'avais vu. Oh, attends, c'est temps limité quand même. J'avais vu que tu étais là-dessus à un moment. Enfin, tu fais l'arène de tous les Assassin's Creed, du coup. Ah non. Attends, mais. Ah putain, il faut ramener le verre en fait, c'est ça. Allez, viens par là. Bon, ça passe. On va se concentrer un petit peu parce que 6 minutes pour tout faire, c'est un peu léger. On va pas se mentir. Oups. Aïe. Voilà. Et il y a eu un. Attendez, je mets pause quand même. Parce qu'il y a eu un autre follow que j'ai pas remercié et il s'agit de MacLeo70. Merci beaucoup à toi. Du coup, bah, je rechange le nom du live. Et nous avons atteint les 253. Merci beaucoup à vous. Un plein marathon, ouais, c'est ça. C'est ça, pas une run, un marathon. T'as du courage hein, quand même pour faire du marathon sur Assassin's Creed. J'arrive tellement pas à faire les Assassin's Creed en ligne droite, moi. C'est... Enfin, je sais pas si tu les fais en ligne droite, mais du moment que tu les fais pas en ligne droite, tu mets des heures. Enfin. J'ai terminé que Odyssey et il m'a mis 200 heures. Quoi. Donc t'as du courage. La batterie de la manette, Catanostro. Ouais, je suis désolé, on a ça depuis le début du live. C'est vrai que les piles sont en fin de vie. Au pire, j'irai les changer tout à l'heure. À un moment, c'est que sa manette, hein, ça suffit. Oui, c'est ça. Exactement. Du coup, on va reprendre. Hein. GG pour les abos, Catan. Merci. Ah, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Il faut aller où? Ah putain. Par contre, les contrôles quant à la gravité qui fait un peu nimp, plus la caméra qui fait un peu beaucoup nimp, c'est pas toujours évident. Allez, mon petit vert, tu viens? Eh, il y en a un rouge et un vert. Est-ce qu'on peut estimer que c'est Mario et Luigi? Ah. Putain, je vais passer. Vous allez voir que je vais passer. Ah! C'est bon. Je me suis dit, je vais passer les 6 minutes là-dessus en fait. On a commencé le matin, le 8, le macaron. J'en peux plus de moi. Le marathon le 8 juin en termes d'heure. Ouais. Génial sur S. Yes. Je suis d'accord avec toi. Je t'ai découvert grâce à la Pépi. À un moment, je cherchais chez qui faire un raid à la fin de mon live et puis bah, du coup. Je t'ai vu sur Assassin's Creed, je me suis dit ça. Ah, Assassin's Creed, c'est cool. Ça va me rappeler. Ah, attends, il y a du son. Ça va me rappeler mes heures sur Assassin's Creed Odyssey. J'essaie d'aller trop vite. Après, c'est du contre-la-montre, hein, donc. Non. Mais le pointeur répond que dalle aussi. Attends, faut que je la tienne un peu plus haute parce que j'ai l'impression que je la cache. Je cache le pointeur avec l'écran de l'ordi, donc forcément. Et la caméra. Les enfants. Je crois que la batterie.
doit être un peu en cause aussi. Non, ça n'a pas marché. Voilà, bon bah voilà. On a perdu. Est-ce qu'il y a mon dessert m'attend? Ben bon dessert Saskia et merci d'être passé. Ciao. Ici je vise pour la fin septembre. Nice. Ça c'est vraiment celui que j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé une autre position en fait, j'ai rabattu un petit peu mon écran d'ordi pour en mode semi-blédard, en fait reposer ma main dessus et être globalement sûr de pas me... Bah. De pas cacher le pointeur en fait. Bon là c'est pas très utile on a. Mais non. Bon par contre j'aimerais bien toucher l'ennemi à un moment. Voilà. Je n'ai plus beaucoup de batterie, dites donc. Étonnant, n'est-ce pas? Du coup, est-ce que sur le chat, maintenant qu'on a de nouveaux arrivants, est-ce qu'on a beaucoup de joueurs de Super Mario Galaxy ou pas beaucoup? Ça a l'air de se passer un petit peu mieux. Là, ça va aller parce que je sais maintenant. Aïe. Je sais que je peux sauter directement sur le verre. Hop là. Viens par là, mon petit verre. C'était dans quoi, ça? C'était dans Ghost Trick. Un mec qui appelle un autre mec mon petit verre parce qu'il a dit en verre. Ghost Trick, il faut absolument que je le fasse en live le mardi, pour les feuilletons du mardi. Si jamais ça vous intéresse, le stream du mardi, c'est, j'appelle ça le feuilleton du mardi parce qu'on fait ça sur des jeux narratifs. Et du coup, c'est plutôt cool. Je vais prendre quand même le champi. Sachant qu'en plus, là, on a terminé une affaire sur Phoenix Wright. Du coup, le prochain, c'est sur une toute nouvelle affaire. Eh non. Eh non. Voilà. Merde. Attendez. Il faut prendre de l'élan un petit peu. Ouf! Ghost Trick, meilleur jeu de tester-le. Après, la difficulté avec Ghost Trick, c'est je le stream comment? Parce que j'aurais pu le streamer avec ma cartouche de capture 3DS. Simplement, le truc ne fonctionne plus. Le logiciel ne fonctionne plus. Donc du coup, soit j'essaie de le streamer sur iOS, soit sur émulateur, quoi. Mais en vrai, enfin, j'ai très très envie de le faire. Peut-être pas dans l'immédiat, parce que je sais déjà quel jeu j'ai envie de faire pour la suite. Mais effectivement, enfin, Ghost Trick, définitivement un des meilleurs jeux de la DS. Il y a même pas de discussion possible. Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a même pas de discussion possible. En fait, voilà. Électrocute-toi, s'il te plaît. Ça a l'air d'être bon. Non, je sais pas. Peut-être que ce sera sur émulateur, mais il faudra que je m'assure que la ROM tourne bien. Sur iOS, remarque, sur iOS, le jeu tournera bien. Et puis, j'ai une scène iOS maintenant, donc ça devrait être possible. GG, merci pour le GG, Yuxi. Il nous reste plus que 3 étoiles à récupérer. Bon, du coup, je pense pas qu'on ira affronter Bowser ensuite. Il nous reste grosso modo 40 minutes de live. Enfin, disons que les horaires habituels des streams du vendredi, c'est 22h minuit. Bon, comme là, je prévois de terminer,
Bon, j'ai commencé à 22h et on termine à l'heure qu'on termine, quoi. Mais je vais pas me rajouter un truc en plus, du coup, alors que je risque déjà de dépasser, quoi. Le jeu tourne vraiment bien sur iOS. C'est vrai, c'est cool, les streams iOS. J'aimerais bien reprendre un petit peu Mario Kart, typiquement, sur iOS. Et puis, il y a même d'autres jeux qui sont cool. Ouh, j'ai envoyé un gros postillon. Il y a d'autres jeux qui sont cool, hein, sur iOS. Donc voilà. Comète violette, j'ai peur. Après, en vrai... Ah non, je crois que ça va. Je crois qu'encore ça, ça va. À la limite aussi, les Phoenix Wright récents, je suppose que je pourrais les faire sur iOS. C'est que j'ai Dragon Quest 1 que je pourrais faire sur iOS aussi, je me dis pourquoi pas. Parce que j'y ai joué à un moment, bon j'ai pas terminé parce que j'étais bloqué, je savais pas quoi faire. Mais le jeu était vachement sympa et en fait contre toute attente, moi je me disais Dragon Quest 1, déjà Dragon Quest, faut grinder un max. En plus sur NES, c'est l'époque où bon ben, tu grindais un max sur tes RPG. Coucou Final Fantasy 1. Mais en définitive, t'as pas tant besoin de grinder que ça. Et j'ai été vachement surpris. Mais le truc, c'est que il faut. Faut savoir où aller, quoi. C'est le genre de jeu où c'est bien plus facile si tu connais le jeu déjà avant de le faire. Ok, donc on va pouvoir aller soit par là-bas, soit par là-bas. On va commencer ici. Sur la... Merde. Mais putain! En même temps, ils mettent des pièces violettes sous les grilles, quoi. Ah, c'est bon, je l'ai. Bon. Va la trouver celle-là. Ok. Et on est déjà à 53, n'empêche. Si on passe pas 100 ans à chercher la dernière pièce violette, comme dans une certaine galaxie, ça devrait aller plutôt bien. Attends, est-ce qu'ils ont été chiens? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y en ait en bas. Ok. Hello? Ah bah c'est bon. Ah là. Désolé pour le cri.